Ok, rebonjour, on se retrouve en live à nouveau. Et à nouveau sur The Dark Pictures Anthology Little Hope. Et là, on va juste voir si. Faut que je remette sur le jeu, voilà. Si ça fonctionne, si le stream fonctionne, si ça live correctement, s'il n'y a pas de lag, j'ai fait des réglages, j'ai réduit la qualité du jeu au minimum et je l'ai bloqué à 30 FPS pour voir si ça fonctionne. Parce que Rokiku Alifradia, j'espère que ça va bien et que tu as passé une bonne fin d'après-midi. Donc du coup, oui, comme je disais, on est sur Little Hope et on essaye de voir si cette fois ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, on retourne sur World of Warcraft et je referai d'autres tests. Donc pour voir, on va continuer l'histoire. Si ça marche, on va la recommence à zéro. Parce que bah, j'ai envie de vous proposer, notamment pour YouTube, le début. Parce que bah, là, tel que je l'ai sur Twitch, je reproposerai pas. Enfin, je la proposerai pas sur YouTube comme ça, quoi. Donc là, on teste, on regarde si ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis, on part sur World of Warcraft. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive. C'est juste, je pige pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas, on va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. C'est peut-être pas. Je peux pas passer, hein, si jamais. Faut qu'on se tire d'ici maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Pardon, je choisir le propre honneur. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule? Où tu vas? Ah zut, pardon, excusez-moi, désolé. Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Alors, moi, de mon côté... Pendant les cinématiques, sur toute cette partie-là, j'ai un décalage de l'image, léger. C'est un des petits pixels qui bougent un peu par-ci, par-là. Moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous, vous l'avez? Et puis là, est-ce que ça lag? Non, je... Est-ce que ça lag chez vous? Moi, sur le retour, là, ça lag pas. Par contre, je peux pas récupérer ma manette. Voilà. Non, sors la souris de... Laisse-moi ma manette, hein. Paramètres, commandes, touches, on s'en fout, moi je vais utiliser mon... Ah zut, il veut pas, je suis obligé de le faire à la souris. Mince. Je vais juste checker vite fait par retour téléphonique si ça fonctionne correctement. Et puis si ça fonctionne correctement, je quitte et on reprend le jeu. Et si ça fonctionne pas, bah tant pis. Mais là, pour le moment, ça a l'air d'être correct. En tout cas, pour le moment, mon Streamlabs, il devient pas une guirlande de Noël. Donc, c'est déjà un bon point. Je cherchais quoi? Oui, faut que j'aille sur Twitch. TWitch. Voilà. Non, chez moi, tout va bien. Et plus net que la dernière fois. Ok, bon, c'est déjà un bon truc. Connexion. Mince. Je peux pas aller sans me connecter, c'est abusé. Je vais aller voir sur mon PC directement. En fait, je voulais voir sur mon téléphone pour éviter de prendre sur la connexion directement du truc. Alors, tac. Après, il faut pas que ça gêne aussi mon frangin. Après, il faut pas que ça gêne aussi mon frangin. Ouh, c'est un stand. Il faut pas que ça gêne aussi mon frangin. Ouh, c'est un stand. Il faut pas que ça gêne aussi mon frangin. Ouh, c'est un stand. C'est normal si on entend 50 fois ma voix. C'est normal si on entend 50 fois ma voix. C'est normal si on entend 50 fois ma voix. C'est normal si on entend 50 fois ma voix. Ouais, bon, continue. On va voir déjà comment ça se passe. Continue. On va voir déjà comment ça se passe. Continue. On va voir déjà comment ça se passe. Continue. On va voir déjà comment ça se passe.
Visiblement, ça a l'air d'être bon. Visiblement, ça a l'air d'être bon. Je me déplace par Twitch, donc c'est un peu chaud. Je me déplace par Twitch, donc c'est un peu chaud. Je me déplace par Twitch, donc c'est un peu chaud. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Je vais couper alors ça parce que je m'entends 60 fois. C'est pénible. Et on fait retour au menu principal, du coup. On va recommencer. Et on va profiter en fait du jeu. Hein. On va essayer de se faire flipper un petit peu. Pas trop parce que j'ai envie de dormir cette nuit. Alors, on va jouer seul. Chez moi, non, mais maintenant tu as de l'écho. Ouais, je pense que c'est pas... Bah oui, vous entendiez le son du PC. Vous entendez le son du PC. Et comme vous entendez le son du PC, bah quand je parle, je l'entends sur Twitch avec un peu de retard, et puis etc. etc. Ok, donc nouvelle histoire. On la recommence. On va la reprendre, on va écraser cet emplacement-là. Et on recommence. Bon, j'espère que ça va vraiment fonctionner pour tout le jeu, parce que bon... Comme la dernière fois, c'était un peu dégueulasse. Heureusement, on n'est pas allé bien loin. Hein. Ah zut, pardon. Il faut que j'appuie sur A, excusez-moi. Tout nickel, ok, parfait. Bon, bah on va espérer que ça dure. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez J'arrive la route pas est. À savoir s'il est nickel. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. On rappelle que le but du jeu, normalement, c'est de s'en sortir avec le plus de personnages en vie. Donc on va essayer de sauver le plus de monde possible, même ceux qu'on n'aime pas. Arrêtez de faire des trucs, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeton. Hé, c'est pas par là?
Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Encore cette fameuse gamine. Par contre, on voit que c'est à 30 FPS. Bon, c'est pas plus Arrête, gênant que ça. James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seul de tous les problèmes de la famille, la je famille. Fais pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de Peut-être mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est T'es dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. Tanya traîne. Comme souvent en ce moment. Bon, on va garder les mêmes choix. Il y en a au moins une parmi nous qui s'amuse. Enfin, je me rappelle pas de tous. Laisse-la vivre. C'est lui qui m'inspire pas. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age, on dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, hey, arrête un peu de le tripoter. Hé, hey, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Si on dit rien, ça dit quoi? On dirait que t'es possédé. Ta tête va se mettre à tourner, tu vas voir. Personne répare cette porte. La prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi, cette fois? Viens, on dit rien encore. Je m'avance peut-être un peu, mais est-ce qu'il serait possible qu'il soit allé boire encore? Dennis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hey, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Pardon. Qu'est-ce qui lui arrive? On va jouer le muet. On dit rien. Je m'en tape royalement de toute façon.
Dennis. Hey. Pas maintenant, j'ai pas le temps. Hey, arrête de faire la folle. Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. C'est ça, ouais. Je fais comme dans la vraie vie. Je m'occupe de mes affaires. Peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? On avait répondu quoi la dernière fois? Ouais, on va laisser rien dire. Une question trop difficile pour toi? Je vais la voir. Ah, petit lag, je l'ai eu de mon côté. RT plus le skip droit, le stick droit. Et cette fois, on passe pas 3 heures sur l'allumette, on sait que... Préoccupation. Désolé. Ah oui, on va essayer de refaire ça. Bon, bah, je suis toujours aussi mauvais. On va en perdre des personnages comme ça. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. Voilà, cette fois, on va utiliser le sarcasme. Elle vit dans une famille parfaitement équilibrée. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Oui, j'ai raté. Okay. Visiblement, il n'y a toujours pas de lag. J'ai toujours pas Streamlabs qui m'a harcelé. Ah oui, le procès de Nouvelle-Angleterre, là. Des sorcières de Nouvelle-Angleterre. Little Hope Museum, $7.99. J'aime pas ces trucs-là. Je vais avoir peur encore. C'est bon, on a fait le tour. Allez hop, bébé, attends. Ah, c'est ces trucs-là qui me font peur, je crois, dans ce jeu. Shroud of Innocence. Le meilleur moyen d'oublier ses problèmes. Ah oui, c'est Voile de l'innocence. Un ouvrage incontournable pour quiconque s'intéresse au procès des sorcières de Salem. De 1692, pardon. AP, Davis et Herald. C'est un bordel le procès des sorcières de Salem. Il y avait un truc là sur le bar, je me rappelle pas. La maison elle est un peu creepy, je trouve quand même. Déjà ils ont l'électricité, pourquoi ils allument pas les lumières? Là ils en ont une, mais ils ont une lumière qui éclaire un mètre carré. Celle-là ils auraient pu l'allumer. Et tous les lampadaires muraux là. Attends, il y a une photo là. Est-ce qu'on peut la voir? Non, on peut pas. Fichtre. Enfin, moi j'ai des petits bugs graphiques, mais je vois que vous les avez pas de votre côté.
Ok, on peut pas ouvrir. On n'avait pas été par là l'autre jour. Saleté de vieille horloge. Saleté de vieille horloge. Ça m'a fait peur. Anthony, c'est pas vrai, t'es où ? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que tu me réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Tania ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Merde ! Megan ! Ouvre-moi ! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Megan? Maman? Vous êtes tous passés! Anthony! À l'aide! On va reparticiper à ça. Allez, Anthony ! Hé ! Là-haut ! Qu'est-ce que tu fais avec là-haut ? J'étais coincé dans le grenier ! Essaie par le balcon ! Anthony, à l'aide ! Terrible sa mort. Bon, cette fois on va essayer de sauver la petite. Tiens bon, je dois faire sortir Megan. Megan. Ouais, ça changera rien. Thank you.
Qu'est-ce que tu as fait? Non, stop! C'est ça! Les morts, elles sont toutes atroces. Ah, j'aime bien ce passage. Ça donne vraiment envie de voir toutes les histoires qu'ils vont faire, en fait. Vu que c'est une anthologie. Je sais pas combien ils sont décidés d'en faire. Bonjour. Et ravi de vous revoir. J'ai une nouvelle histoire pour vous. Très différente de la précédente. Visiblement encore deux derrière. Si ça correspond au nombre de bouquins. Non. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie, non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous, pragmatique, sensible, plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est sois loyal envers toi-même. Mais
Je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoire maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Il reste toujours chelou, lui, hein. Mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est cool. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Ouais, il y a la classe de ouf. Moi, la foudre, ça fait pas peur. Bon, on arrive bientôt là où on s'était arrêté. Bientôt presque. Andrew, 18 ans, étudiant, anxiété, détachement. Nous nous retrouvons au bus. Belle, si c'est la même actrice que la fille de la maison là qu'on vient de voir brûler, elle est mieux les cheveux longs, je trouve. Où est passé Daniel? Je le vois nulle part. Je ne sais pas. Oh, au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main? On va prendre compassion. Il va bien, il est blessé? Ça n'a pas l'air trop grave. Juste une commotion. Ok, professeur. Ou je dois vous appeler docteur? Si t'essayais d'appeler les secours. Ou la police, ils nous aideraient. J'ai envie de ne rien dire là, cette fois. La dernière fois, docilité, ça avait pas été facile. Ouais, vas-y, on dit rien. On va avoir besoin d'aide. Appelle les secours. Oh, appelez les secours. Merci, professeur. Heureusement que vous êtes là. Ah non, ils vont pas s'entendre. Ah ouais, je suis assez d'accord. Hey, Andrew, mon gars, comment ça va? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Un accident. Mais y a pas de blessés, on est un peu sonnés, c'est tout. J'aime bien cet acteur-là, je lui. Je peux croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. Reste ici. Ne bouge pas. Saloperie, téléphone de merde! On va crever là! Ok, calme-toi un peu, on va trouver une solution. Pourtant, la synchro labiale est à la ramasse, mais bon, ça, parce que c'est un jeu en VO d'origine anglaise, du coup. Mais je trouve que les doublages français, ils s'en sortent très bien. Hein. Merde, mon téléphone! Première chose à laquelle il pense. Ah.
Il y a quelqu'un là-haut ? Hé, hey, Daniel, c'est toi ? John ! Ah, je m'inquiétais. Daniel ? Taylor, ça va ? Ça va. Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas ? Ça va ! J'ai déjà connu pire ! Hé, hey, John ! Vous savez pourquoi on s'est crashé ? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous ? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il n'est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. À tout de suite. Hé, hey, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux ? Attendez. Je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous ? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident n'était pas au programme. On va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Super travail d'équipe. Ouais, j'ai appuyé sur X. Très réaliste. Il y avait des flammes partout, c'était... horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Insistante, je crois. On ferait mieux de pas s'éloigner du bus. Moi, je reste ici. Pas question. Personne n'est passé par là depuis l'accident. Personne ne sait qu'on est là. Et on dit rien encore une fois. Il va peut-être pas tarder. On devrait l'attendre. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable, aller chercher de l'aide en ville. Non, allez, on va apaiser les choses. D'accord. Allez-y, je vous suis. Eh ben... Plus vite on trouvera de l'aide, plus vite on rentrera chez nous. Restez bien avec moi. J'ai pas lu ce qui était sur le bandeau de droite. Utilisez L pour vous déplacer. Quel enfoiré ce chauffeur. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il doit être sous le choc. Il est responsable de nous, ses passagers. Il peut pas filer comme ça. Ah, j'aime pas l'idée d'être dans une forêt américaine comme ça de nuit avec une simple lampe torche. Inspecter. Welcome to Little Hope. Bienvenue à abandonner tout espoir. Pas eu le temps de lire. Ouais, on est deux. Vous connaissez Little Hope ? Non. Enfin, ça me dit rien. Pourtant, vous devriez connaître. Pourquoi devrais-je ? Pourquoi j'en aurais entendu parler ? Sérieusement, cette ville a une grande histoire. Elle est fascinante. Curiosité, toujours. Mais comment vous savez tous ces trucs ? Je suis un enseignant-chercheur. Je lis des livres, pas comme toi. Ça va, Einstein. J'en sais au moins autant que vous avec mon smartphone. Sauf si ton smartphone ne capte aucun signal. Et bim ! Ouais, l'éclairage, c'est bien fait. Hein. Ah, mais c'est le téléphone qu'on a en plus. C'est même pas une lampe torche, c'est la lampe du téléphone. Je m'en sers tous les jours, moi. Je suis content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien ? Ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher ? C'est bon ? Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse! Oh!
Admirez un peu le travail. Bravo à vous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Rejoindre la ville, essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est? Oui, tout près de Little Hope. C'est sympa comme nom, ça. Eh bien, justement, Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Ah, j'ai envie d'écouter, moi, son histoire. Il s'est passé des horreurs ici, il y a bien longtemps. Bon, j'ai plus envie de l'écouter. Envie de nous en parler. Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Et vous n'avez encore rien vu. Je peux vous montrer? Montre un peu de respect. C'est pas si dur. C'est gonflé, après avoir critiqué Taylor tout le trajet. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Tu attends toujours que ton petit ami te défende? Il serait peut-être temps de t'assumer un peu, non? La dernière fois, on avait utilisé surprise, là on va faire condescendance. Je gaspille ma salive à vous parler. Ça suffit, là. On a assez de problèmes à gérer comme ça. Occupez-vous de vos affaires, ok? On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de rejoindre la ville? C'est pas si idiot. J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. Tu proposes quoi d'autre? Tu veux pas venir attendre au bus avec moi? Ok. Je pense que ah, ça change avec les relations, nous en fait. Restions tous ensemble. Vous direz pas la même chose quand j'aurai chopé une caisse et que je viendrai vous chercher. Ah ouais, la dernière fois, elle était partie toute seule. Hein. Parce que j'avais mis justement curiosité, et, enfin surprise et pas... Vous vous êtes perdu? Non? On est revenu? C'est quoi ces conneries? Il se passe un truc vraiment bizarre ici. Au secours. D'abord, il perd sa fierté, ensuite il perd son chemin. Qu'est-ce que vous dites, là? Que tu t'égares. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais nous avons d'autres chats à fouetter. Daniel? Oh, hey, attention! Attention! Arrêtez vos conneries et expliquez-moi ce qui se passe. C'est intéressant, en Viens, fait. Viens, on y va ensemble. Ça devient franchement ridicule. Vous permettez? Dans l'autre sens. On est coincé là. On peut pas partir. Je comprends pas ce qui se passe. C'est vrai. On est allé tout droit dans le sens opposé. Alors, comment on est revenu ici? Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça? Oh, elle m'énerve. D'accord, on va la laisser bon, mourir. Non, non, j'ai dit, même ceux qu'on n'aime pas, on les sauve. J'ai l'impression que tout le monde s'en prend à la rouquine. Bon, en même temps, elle est un petit peu casse-pied. Elle provoque. Je dois avouer que c'est assez étrange. Non, sans déconner. Rien de le dire. Alors? J'avais raison. C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés. On peut pas partir. On Ok, fait quoi, calme-toi, respire. Il y a forcément Et une nous explication revoilà au début rationnelle. Du live. On est peut-être mort dans l'accident? Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincé dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous? Change de ton, tu veux? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Ah, tu t'excuses. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive, c'est juste, je pige pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas, on va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. C'est peut-être pas réel.
Faut qu'on se tire d'ici maintenant. J'ai besoin de réfléchir. J'aurais dû choisir notre entraîneur. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule ? Où tu vas, là ? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Ouais, donc la synchro labiale, elle est clairement faite pour de l'anglais. Ça se voit... Et à certains moments, on arrive à reconnaître le mot anglais qu'il prononce. Mais c'est tout. On va refaire comme la dernière fois. Passer tout droit, mais du côté de la brume. Ouais, on se retrouve là. Et à chaque fois, c'est lui qui vient nous aider, nous récupérer. Limit speed, 50 miles. 15. Ou 50, je m'en rappelle jamais. Pourquoi t'as dit qu'on était tous morts? Tu crois vraiment que c'est possible? J'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelque temps après la... Tu sais... La mort? Non, laisse tomber. Le raisonnement était un peu bancal. Ouais, non. Vous êtes dans une forêt dans la nuit, vous parlez pas de ça? On n'a jamais été aussi loin. Oh, un chat noir. J'aime les chats. Il est où le petit chat? On a perdu le petit chat. Ce rad, ça met pas en confiance. T'as peur qu'on nous demande notre âge? Ah, c'est toujours moi qui contrôle. J'ai pas vu le petit chat. Je suis pas sûre que ce soit une super idée. Il faut aller voir. On pourra peut-être téléphoner. Je vais entrer jeter un coup d'œil. Oh, la paire de baloches qu'il a, moi j'y vais pas. On arrive tout de suite. Pourquoi on va pas avec les autres? Angela sait qu'il y a un truc entre nous. C'est flagrant. Tu veux vraiment qu'on parle de ça maintenant? Tu crois pas qu'on a des problèmes plus sérieux à gérer, là? Mais c'est très sérieux. En tout cas, pour moi. Je te dis juste, Angela nous a grillés. Elle sait. De quoi avez-vous parlé? Investigation. De quoi vous avez discuté? Elle a fait la curieuse, comme elle fait toujours. Non, Guetté, on va pas pourrir la relation. Laisse-la qu'elle se fasse des films. Ça va sûrement la rendre dingue. Je suis pas prête pour qu'on s'affiche publiquement. Mais ça va venir, c'est promis. Je peux faire quelque chose pour te convaincre que je suis le bon? J'ai besoin de pouvoir vraiment compter sur toi à 100%. D'être sûr que tu seras là. On devrait rattraper les autres. Là, c'est 50, ouais, c'est ça. On va rester planté là ou vous comptez entrer? À chaque fois, je me mélange entre les deux. Je sens que ça pue. Voilà, je le savais. On aurait pu frapper avant d'entrer. Oh, c'est un pub. Ok, je n'avais pas compris. Il est pas super accueillant. Hein. Il manque, je sais pas moi, de la musique. Des chants. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Pardon? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume? C'est bizarre. Ouais, une vraie purée de pois ce soir. Ouais, ça nous empêche de partir. Ouais, je connais ça aussi. Alors vous êtes... Désolé de faire irruption comme ça.
Nous avons eu un accident de bus à quelques pas d'ici sur la route. On est encore un peu secoués. On est même beaucoup secoués. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, c'est Vince. Il me faut un miroir. J'en trouverai peut-être un qui ne sera pas recouvert de crasse. Vous avez besoin de remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Je vous laisse là, au cas où. Sans façon, non. Non. C'est pas une bonne idée. Sans façon. Vous faites quoi ici? Little Hope, c'est plus vraiment ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ville semble complètement déserte. Little Hope ressemble à une ville fantôme. Et cette brume? La vie continue, voyez. Mais certains restent à la traîne. Incrédulité. Pourquoi vous restez là? Ouais, si cet endroit est mort comme vous le dites, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais, je viens. Vous savez ce que c'est. En tout cas, je peux rien pour vous. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Pour moi, un truc qui tourne pas rond. Bah, il a bu, mais il a pas l'air dangereux. Jetons un œil. On devrait trouver quelque chose d'utile ici. C'est ça, cherchez bien. Il est dans son monde à lui. On est dans son monde à lui aussi. Un jeu de fléchettes. J'étais plutôt bon dans ma jeunesse. Restez, jouez un peu, pas de soucis. Je vais aller faire un petit tour. Non, mais pas tout. Ils sont dingues, à chaque fois ils veulent partir tout seuls. Tu devrais te le faire greffer, ton prochain, là. Très drôle. Au moins je cherche une solution, vous faites quoi? Rien qu'une partie. Et puis on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double ou... Je connais les règles, Daniel. Je vais tenter le double 20. Ok, c'est pas mal tout ça. J'ai la technique. Maintenant le triple 20. Hey, ça mérite une médaille d'or après la soirée qu'on a eue. C'est dommage, il n'y a pas de fléchette au JO. Vous êtes un vrai tireur d'élite. Il faut que ce soit assisté pour faire mieux, Taylor. Revenons-en à ce qui nous amène ici. Alors. Taylor a critiqué Angela et Daniel ne l'a pas soutenu. Attendez. Daniel et Taylor, ok. D'accord, attends. Si je clique dessus, non, je peux pas voir. Taylor et Daniel ont fait un pari d'amis aux fléchettes, ok. Taylor a blagué avec Daniel au sujet de la curiosité, ok. D'accord. Daniel et Taylor... Alors, Andrew... Ah, il s'entend mieux avec Taylor que quand on avait commencé, sinon les autres, ils n'ont pas changé. Parler à Vince, fouiller le bar. Ok, l'image, on n'a rien débloqué. Trajectoire, on s'en tamponne pour l'instant. Secret, il y en a 50, on en a 0. John. Andrew et John, ça n'a rien changé. Ah, voilà, ok. John et Angela, pour le moment, on ne sait pas. Daniel et John, il n'y a rien qu'à bouger. Et on voit que Taylor... Ok, d'accord. Ok, on voit plus ou moins en détail comment ça s'est passé. Donc là, on contrôle John, du coup. On va fouiller le bar et après on ira causer à Vince. Je sens qu'en fouillant le bar, je vais avoir une ou deux crises cardiaques, mais... Il n'y a pas de lumière, lui. Ah. Il marche avec la tête haute. Secret trouvé. Je me rappelle vaguement ce qu'il y a eu ici. Toutes les usines ont été fermées. Alors,
vote pour la désincorporation. Une nouvelle vague de saisies signe la fin de la ville. Lundi, à la mairie de Little Hope, les derniers habitants de la ville ont rencontré Cathy Flint, gestionnaire de crise, afin de voter la désincorporation. Depuis la fermeture de l'usine textile Ravenden, la ville a connu un énorme exode, ne comptant plus que quelques habitants et des caisses vides. Flint a été nommé gestionnaire de crise pour gérer les services publics auprès des derniers habitants. Mais la dernière vague de saisie devrait entraîner leur départ, laissant la ville de Little Hope quasiment désert. 2. Sans impôts qui rentrent dans les caisses, nous n'avons d'autre choix que de procéder à la désincorporation, a déclaré Flint. C'est très triste. Ces gens ont vu leur ville disparaître autour d'eux. Les tentatives pour... Quoi ? Eh, non, je veux voir la suite, moi. Oh ! Je veux lire la suite de l'article. Démobiliser, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, une ville, juste comme ça ? Je me demande si ça a été déjà fait dans l'histoire. Certainement, il existe des villes fantômes. Alors non, on sort pas, j'ai vu un truc bizarre. 6 juin 1917. Je n'arrive pas à le croire. Il y a peut-être une parenté. Parenté entre qui et qui ? Attendez, on va voir ça en secret. Non, c'est pas là, c'est là. Secrète, pourquoi il parle d'une parenté ? Photo datée du 6 juin, certains visages semblent familiers. Ah ouais ? Je l'ai pas vu, moi. Aux États-Unis, oui, peut-être, ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que s'il y avait qu'une usine qui faisait rentrer du fric dans la ville, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de la garder ? Mais du coup, ouais, les villes fantômes, ça pue. Pardon. Alors, LSRT 380, 22, 40, 5, 17, 46, 113, 12, 43, 35, 15, 98, 401, 384, 5, 10, 13, 12, 43, 35, 15, 98, 401, 362, 443, 343, , 362, 443, 343, 344, 342, 344, 343, 344, 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
J'ai raté. Mais c'est complètement con. Ça marche quand je suis là, mais pas quand je suis comme ça. C'est complètement con. Vous n'avez rien d'autre à nous dire sur Little Hope? Je sens l'alcool qui monte. On se préoccupe de lui. Il a sans doute un peu trop bu. On a eu des jours meilleurs. Non, on va essayer de l'aider. Un conseil d'ami. Arrêtez de boire. Ne brusquez pas trop. Ben tiens. Ce serait bête de s'embrouiller, hein. Il n'y a pas de barman? Continuez vers la ville. Oh, j'ai pas envie. Voilà pourquoi faut pas prendre les transports en commun. On aurait dû faire du World of Warcraft, en fait. Hey, par là. Quittons cet endroit et... C'est quoi, ça? J'ai clairement entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. Bonne chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. C'est inquiétant tout ça. C'est très très inquiétant. Moi j'aime pas. J'aimerais pas être à leur place. The Black Cat's Bar. Il vient de fermer à clé, ce vieux taré? Trop bizarre, le papy. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas compris. Andrew, route principale, 23h49, le 27 mai. On n'a pas d'autre choix que d'aller à Little Hope. Je n'en suis pas si sûr. Moi, lui, je l'aime bien. Où aller, sinon? Non, 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 regarde pas les fenêtres. Regarde pas les fenêtres. Alors, attendez. Lui, il en est où en termes des relations? Ah, Angela, ça s'est réduit. Pourquoi ça s'est réduit? Ça dit pas. J'aime bien la présentation, là, comme ça. Là, on voit Andrew avec John, avec Daniel, Fichtre, avec Taylor. Ah, ça va mieux avec Taylor. Alors, restez avec John et les autres, continuez vers la ville. Oui, je compte bien rester avec les autres, je vais pas y aller tout seul. Là-bas, il y a un truc. Ou pas. Ces images découvertes sont cumulables sur l'écran de collection des personnages. Au moins, on sait qu'à un moment, il aura un gun. Faut jamais se séparer. Bon, en fait, figure-toi que, en théorie, il y a effectivement plus de chances de s'en sortir quand on se sépare que quand on reste ensemble. J'ai vu ça dans une vidéo sur Internet. Et il y a dans plus de la moitié des cas dans les films d'horreur, c'est en se séparant qu'ils ont survécu. Alors que c'est un cliché, hein, de se séparer, mais... Carte de Little Hope, la vue de l'ensemble de notre ville historique. Ok... Ça doit être la bonne direction. Ah, on est là, on a tout ça à faire. What the fuck? L'union fait la force, ouais, mais bon, si on se retrouve face à un gros méchant ultra balèze et qu'il est impossible de le tuer, eh ben, si on est séparés, il en aura que un ou deux. Alors que si on est tous ensemble, hop, il les chope tous. Oh non, j'ai pas envie de regarder par la fenêtre.
Mais j'ai pas envie de rater des trucs dans le jeu aussi. Ah, je suis vraiment une flippette, hein, c'est abusé. Allez, soyons courageux. Ok, bon, il est juste en train de... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, on se casse. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vu un truc par là, tout à l'heure, quand on est arrivé. Oui, mais ils sont partis sans moi. Hé, madame, faut que tu viennes. Ah non, c'est sa main à lui, j'ai peur. À toi de voir. Non, 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 il faut rester ensemble. Moi, de toute façon, tout seul, je suis ni en PLS. Un mauvais pressentiment. On trouvera un moyen. La manière dont cette brume s'est formée... C'est pas normal. Oh là là. Ah, c'est un mobile à sorcière, là, qu'il y a comme dans Blair Witch. C'est pas les mêmes sorcières que dans Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait une espèce de totem. Comme une mise en garde. Ou un symbole lié à des croyances. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas rassurant. Non, t'approches pas. Je trouve ça intriguant, plutôt. J'en ai assez entendu, merci. Un peu de superstition, peut-être? Pardon pour la frayeur, on se casse. Désolé, je ne vous ai pas fait peur. Je ne sais pas ce qui est le pire, ce truc immonde ou l'intérêt morbide que tu lui portes. Incertitude. Je suis pas superstitieux, mais les trucs comme ce qui nous arrive dans la brume... Allons rattraper les autres. Je ne passerai pas une minute de plus à côté de cette horreur. Compassion, ouais, ouais, moi aussi je compatis. Mais je compatis avec moi-même, là, à ce moment-là. Il y avait la gamine, là, dans la forêt. J'aime pas les gamins. Vous voulez bien essayer de suivre, vous deux? Eh, tu peux parler correctement. Ah, c'est moi qui contrôle. Ah, oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Vous savez... Je l'avais dit que j'aimais pas quand c'était comme ça. Vous allez dire que j'aime rien, mais ce genre de truc, ça me fait trop flipper. Je le savais, en plus. Hé, hey, vous pouvez venir? Non. Pourquoi? Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Moi, je ne vois personne. C'est la vérité, j'ai vu quelqu'un, pas de doute. Ouais, on a vu quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Je regrette, je te crois pas. Personne ne se baladerait ici, au beau milieu de la nuit. Et vous, vous faites quoi? Ouais, très bien, je crois pas. Très bien. Ne me croyez pas. Venez, vous deux. On doit rester proches. Il y avait un truc, là. C'était quoi? Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous? Daniel, t'es là? Allez, John, où êtes-vous? Je trouve pas ça drôle. Oh! Ah, ils ont réussi à me foutre pas bien. J'aime pas. Ça fait peur. Je sais pas c'était quoi la forme qu'on a vue là. Non, on n'y retourne pas, tant pis. Hé, hey, attendez-nous! J'ai envie d'éternuer en plus. Qu'est-ce que c'est? Ah!
Il y a des traces de roues sur la route. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est passée. Hein. Un cercle de pierre. Hé. Hey. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Oh. Ouf. C'est répugnant. Qui êtes-vous, monsieur? Politesse, sois poli. Andrew. Qui es-tu, toi? Mais... qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Je me nomme Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi? Venez jouer! Venez jouer avec moi! Quel tour joues-tu encore, Marie? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue! Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Amy, ne t'en vas pas! Ah, vous voilà. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi? Je ne vois aucun feu. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va? Cet endroit n'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce qu'on a vu. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Confusion. Non. Une petite fille est sortie de la brume. Elle nous a parlé. Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal? Elle n'avait pas l'air de nous vouloir du mal. Elle ne voulait pas de mal. Non. Elle voulait qu'on joue avec elle. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez? Tu as une meilleure idée? Voilà. On aurait pu remettre le bus sur ses roues et partir. À 5, ça soulève un bus vide. Surtout si on soulève que le haut du bus. Par contre, la personne encapuchonnée, j'ai l'impression que c'était la même doubleuse que la vieille. Ah, lui, c'est bon. Lui est gentil. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Il y a un pli sur le tapis, j'aime pas. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent... une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin bref, reprenons.
Angela n'obtient que peu de confidences de la jeune femme. Oh, pas de petite cachotterie. Et ce bon John, notre figure d'autorité peut-être, à moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew, un peu confus, à mon avis, sans choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite, vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Vous vous en sortez bien, pourvu que ça dure. Cet homme dans le bar, il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. Assez ! Il se passe des choses très étranges à Little Hope, et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place, tentez de dissiper la brume, trouvez le chauffeur de bus. Ok, au moins on a un objectif. Bon, visiblement, je m'en sors bien. Yeah! Bonne chose. Cette petite fille parlait bizarrement. C'était presque surréaliste. Elle ne parlait pas comme les autres enfants de son âge. Je dirais même que sa manière de parler était d'un autre temps. Ce n'est pas commun. C'est vrai. Bon, eh ben, on va se stopper là, on vient de finir un chapitre, c'est déjà bien. Trouver de l'aile en ville et rester près des autres. T'inquiète pas, c'est le but. Ouais, on va se stopper là, parce que bah, on a déjà eu quelques petites flippettes, hein, et puis j'aimerais bien dormir cette nuit. Donc ouais, pour le moment, un début qui commence bien, l'ambiance est présente. J'ai l'impression qu'il commence plus fort que Man of Medan et que... mince, comment c'était quoi le nom du jeu, je me rappelle plus. Until Dawn, voilà. Donc, il faudrait que je me le fasse celui-là aussi d'ailleurs. Mais ouais, il a l'air pas mal. Les personnages, en fait, à part Andrew, j'ai aucun problème à m'attacher à lui. Je le trouve vraiment cool, mais bon, l'acteur aide beaucoup parce que il est vraiment très ressemblant à son acteur. Donc, je trouve qu'ils l'ont bien bossé. Ouais, c'est angoissant, ça c'est clair. Mais ouais, mais pour le moment, à part Andrew qui me force un petit peu d'empathie, peut-être le prof aussi, parce que le prof, il a l'air un petit peu sévère, mais il a l'air cool aussi, tu vois. Mais bon, ouais, on verra. On va se retourner au menu principal, parce qu'on a terminé ce chapitre-là. Vu que, on rappelle, hein, l'histoire est balisée par les passages avec le mec avec la cravate et puis les pinces à côté de la cravate. Donc, les aiguilles, voilà, lui. Donc du coup, là, on sait qu'on a passé un chapitre. Je sais pas s'il est... Combien il y en a, je sais pas s'il est long, on verra bien. Mais en tout cas, la prochaine fois, je le ferai peut-être deux jours. Parce que de nuit, ça fait un peu flipper. Mais voilà. En tout cas, merci d'être resté ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment. Et que les gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube ont passé un bon moment aussi. Et puis, voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va voir juste une chose, du coup. Parce que... Les bonus, c'est ce qu'on en a. Ah non, il n'y en a pas. Par contre, j'aime bien. On sélectionne avec le doigt du mec. Non, parce que dans Anthologie, ça je l'avais vu quand j'ai acheté le jeu. On voit pour le moment qu'il y a Man of Medan, mais celui-là, on l'a fait. Parce que finalement, Until Dawn, c'est par les mêmes développeurs, mais ça ne fait pas partie de la Dark Picture Anthology. Là, il y a Little Hope, et on voit à droite, il y a un autre tableau. Donc, on ne sait pas encore. Hein, ça dit quoi ? Dans Man of Medan, 5 amis partent plonger en mer, mais leurs vacances se transforment bientôt en cauchemar. Et pour Little Hope... Quatre étudiants et leur professeur échouent dans la ville abandonnée de Little Hope. Perdus dans une brume impénétrable, ils se retrouvent confrontés à d'effroyables visions du passé. Ils devront comprendre la raison de ces apparitions avant que les forces maléfiques à l'œuvre n'entraînent leurs âmes en enfer. Top. Ok, bon, bah on va voir. Ah, c'est Namco Bandai qui fait ça ? Ah, là aussi. Ok. Je suis surpris. Ça m'étonne que ce soit eux.
Mais bref, en tout cas, nous, on va se stopper là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé. J'ai un peu flippé déjà, mais je me suis bien amusé. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc, je souhaite à tous une bonne nuit. Si vous voyez cette rediff sur le live, n'hésitez pas à me suivre pour voir la suite de l'aventure en direct. Et si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les autres vidéos. Et puis, bah, venir me rejoindre aussi en live, hein, pourquoi pas, pour discuter, pour partager. Et puis, pour se foutre un petit peu de moi quand je flippe comme un enfant de 8 ans. Mais voilà, en tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Sur le live, bonne nuit et on se retrouve très vite. Ciao, ciao, bye bye.